dommage parce qu'on avait très bien commencé le match, on avait notre temps fort et on n'a pas réussi à marquer. Ensuite, eux, ils ont eu leur temps fort à eux et puis ils ont marqué un but. Et la deuxième mi-temps, ce que je trouve dommage, c'est que ce que j'ai dit à mes joueurs, c'est ça qui m'a déçu, c'est qu'on a manqué de discipline. Et après, on n'a pas eu une bonne attitude pour rester concentré sur le jeu. Je vois que nous manquons beaucoup d'expérience. Et je leur ai dit, un derby, là, il faut d'abord gérer ses émotions. Et là-dessus, on n'a pas réussi à le faire. C'est dommage parce qu'on a vraiment bien commencé le match. Il y a des choses positives aussi. Et puis, on est une équipe qui n'est pas nécessairement encore très homogène au niveau de son fond de jeu. Il faut qu'on soit patient, puis il faut qu'on travaille, puis il faut arrêter de faire... on fait trop d'erreurs. C'est dommage, je suis un peu déçu pour nos gars. Ils méritaient mieux avec le début de match, mais malheureusement, un match ne dure pas 20 minutes. Il dure 90 minutes. Alors, c'est pas la fin du monde. C'était le cinquième match de la saison. Il en reste 14. Et ils ont 3 points d'avance. Parce que c'est eux qui sont détenteurs du deuxième rang. Et puis, maintenant, ils sont passés premiers. Donc, c'est pas impossible. On a beaucoup de temps devant nous et beaucoup de matchs. Très intense, je sais pas si vous avez remarqué là, mais à la fin, beaucoup d'escarmouches. En plus, on est tous des gars qu'on se connaît, puis même si on est des amis là, durant un match comme ça, il n'y a pas d'amis là. Fait que ça joue intense, puis très compétitif, puis on voulait gagner ce match-là. Quel genre de saison tu t'attends cette année avec le Cadillac? Un peu comme l'an passé. L'an passé, on a bataillé jusqu'à dernier match pour aller au championnat canadien. On a encore le même groupe de joueurs, plus des bonnes acquisitions. Fait que je pense qu'on a encore des très bonnes chances d'aller au classement, puis il faut pas échapper de points, puis des gros matchs comme ça. On a gagné contre l'Étoile de l'Est 3-0, 3-1 contre Beauport, donc c'est des gros matchs qu'il fallait gagner, puis on a fait les résultats, donc c'est très satisfaisant. Est-ce que tu as hâte d'affronter Chaudière-Ouest? Ouais, c'est sûr. Je viens de Chaudière-Ouest en plus, mon frère joue là, puis ça va être des très gros matchs, puis je pense que j'aime plus battre Chaudière-Ouest que Beauport, fait que ouais, j'ai très hâte d'aller le battre contre Chaudière-Ouest. Bon, ben félicitations pour la victoire, puis aussi félicitations pour le but ce soir. Merci. On était content de jouer en début de saison, je te dirais. On a une équipe complète, on a une équipe qui est fraîche, pas de suspension, pas trop de blessures. On a Jimmy McLaughlin, malheureusement, qui était blessé pour le match. Mais on était content de voir avec André qu'on les jouait au départ quand même. C'est intéressant en début de saison de pouvoir les tester notre groupe vis-à-vis une bonne équipe. Parce qu'on se voit qu'Achète Beauport et Étoile de l'Est sont les deux équipes dans notre section qui vont se battre pour être dans les deux premières places. On s'en sort avec deux victoires contre ces deux équipes-là. Le match d'aujourd'hui, écoute, début de match lent de notre part, on s'est fait surprendre un petit peu, on avait prévu un pressing un petit peu moins haut, on s'est fait avoir des ballons par-dessus notre tête, on s'est ajusté, fin de première mi-temps excellente, on a tenu le ballon, on a eu une belle animation. On est rentré au vestiaire avec un avance, c'est toujours dangereux, les gars sont peut-être un petit peu assis, osaient plus presser autant, garder le ballon, on voulait prendre moins de risques. Il a fallu le but égalisateur pour revenir un petit peu à notre jeu. On était chanceux de profiter d'une petite gaffe de leur part, un corner mal exécuté qu'on a vu, ils ont voulu nous avoir, malheureusement ça joue contre eux, on fait 2-1. Et encore une fois, avec l'avance, on a eu de la misère à manager notre avance, je trouve. On a travaillé beaucoup sur la contre-attaque, beaucoup de ballons longs, ce qui n'est pas nécessairement notre jeu habituel. Dans un match comme celui-ci, où il y avait un enjeu du derby, mais un enjeu aussi au niveau du classement, on avait les deux 2-1-1, c'est une équipe contre qui on va se battre. On prend les 3 points, peu importe la manière. L'important, c'est que nos attaquants l'ont mis dedans, on a raté quelques chances, on avait pu ouvrir le score un peu plus. Mais bon, 3-1, c'est un score raisonnable, puis on est bien content de la victoire. Dis-moi, est-ce que tu as hâte de jouer contre Chaudière-Ouest? Ouais, c'est sûr. Écoute, nous, l'année passée, ça a été le match crève-cœur hein, contre eux, donc on veut prendre notre revanche. Mais bon, c'est un match dans l'année, donc nous, ce qu'on veut, c'est de gagner le plus de matchs possible, finir dans les deux premiers. Puis ça va être plus de jouer Chaudière-Ouest dans le petit tournoi à 4 à la fin que le match en championnat, qui pour moi va être important.
Parle-moi un petit peu pour terminer de l'intensité qu'il y avait ce soir, là, surtout en deuxième demi. Ah ben c'est sûr, hein, ben, un derby, ça reste un derby, donc les gars s'enflamment un petit peu, ils ont la réplique facile, les contacts sont de plus en plus durs plus le match avance. Donc il y a eu quelques petits tacs salauds, des petits coups, mais c'est de bonne guerre, là, t'sais, on s'en veut pas, on se connaît, puis super, ça se passe, puis après ça, on n'est pas des ennemis pour autant.